bien, salut à tous les petits potes, c'est Zenpil et bienvenue dans cet épisode 12 de Pokémon Random Rouge. Excusez-moi, il faut que je regarde au-dessus de ma tête. De Pokémon Random Rouge. Et donc nous sommes à Bourg-Palette, nous allons prendre justement Hippocéan, Hipporoi, pour aller déjà ici. Est-ce que j'ai des Pokéballs? Bonne question. On va commencer là-dessus, j'ai une Master Ball, donc prochain Pokémon qu'il y a, on le capture à la Master Ball. Ce sera le défi. Ça sera un enfant. C'est un enfant. Alors, est-ce que je vais avoir de la chance ou pas avec la Master Ball? Moi, en fait, avoir de la chance, c'est-à-dire de rater mon coup. Parce que c'est possible qu'un Pokémon sorte après la Master... Enfin, dans la Master Ball. Bon, ben, je l'ai eu d'office. D'ailleurs, la Master Ball est pas très jolie, hein. J'aime pas trop ça. Hop, je lui donne pas de nom, parce qu'on s'en servira jamais. Allez. Direction, du coup... l'île de Cramoisil, hop, et j'ai des super repousses, j'ai acheté des super repousses pour être tranquille sur le chemin. Hop, alors, hop, par ici, hop, et du coup, ouais, ça fait un moment que j'ai pas mis les pieds à Cramoisil. Oh, on est déjà arrivé? Sans déconner, mais c'était hyper rapide. Ok, bon. Alors. On va soigner nos Pokémon, même si je crois qu'ils sont déjà full life. Hop, voilà. Et donc, et oui, comme vous pouvez le voir juste en dessous là-bas, changement de Pokémon, du coup, j'ai mis Ptera à la place. Ça peut toujours servir, ça peut être mieux. Ah, l'arène était fermée, donc du coup, à mon avis, on va aller d'abord, du coup, ici. Ok, donc non, pas ici. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Ok, donc ça doit être pour les moves tutor, ça. Ou une attaque à m'apprendre. Oui. Donc non, bon, ça doit être une attaque à apprendre, mais je me souviens plus de ce que c'est. Ici, il y a un truc, il me semble. Toi, tu fais rien, toi? Ah, alors je peux apprendre métronome. Ah non, non, on va pas apprendre. Non, non. Oui. On peut pas apprendre métronome. Bon, métronome, ça pue. Tac. Et la dernière, il me semble qu'il y a quelque chose, non? Allez, on va donner le no-chill. Ok, bon. Je sais pas trop ce qu'il a dit. Tac, tac, tac. Allez. Maintenant, on a déposé notre fossile no-chill. Et donc, monsieur n'est pas là. Alors, où est-ce qu'il est? Je me souviens plus du tout où il est. Peut-être dans le manoir. Ça m'étonnerait qu'il soit dans le manoir, mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'on va le trouver. Il y a des dresseurs dans le manoir, depuis quand? Ah bon, je me souvenais pas qu'il y avait des dresseurs dans le manoir. Enfin bon. Un poisson roi, de niveau 32. Bon. Bien évidemment, je n'ai pas de Pokéball, donc on va faire un Draco Souffle. Il est paralysé, c'est débile. Tu ne peux pas attaquer, c'est parfait. Et en plus, je réattaque alors que ce n'est pas du tout l'attaque que je voulais utiliser, mais bon, ce n'est pas grave. On va faire une conversion. Oh, mais j'ai la tête dans le potage. Rafale feu. Et voilà. On sera hors combat, on va bientôt up niveau 48. Donc c'est pas par là, c'est par là. Tac. Oh, je me souviens d'une histoire à la con avec des interrupteurs et tout. Bah, je crois que c'est là. Je sens que c'est... Ouais, c'est bien ça. Un Mimigal, d'accord, très bien. Draco Souffle. Allez hop, niveau 48 pour Patrak. Du coup j'ai renommé Patrak, enfin Karatrak en Patrak. J'ai pu le rename. Hop, rafale feu. Voilà, ça c'est bon. Oui, on va changer de Pokémon. On va envoyer Teppo. On va faire Ultima Washi. Ah, il me fait une Torniole, d'accord, très bien.
Hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Hein, quand même, faut qu'on se l'utilise. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça fait 5 minutes que l'épisode a commencé, c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, je suis désolé si je parle pas beaucoup aujourd'hui. Je sais même pas pourquoi, en vrai. Sans doute parce que je dois être occupé par le fait que... je dois aller quelque part dans le jeu, mais je ne sais pas où. Voilà. Allez, on va envoyer Ideos. Il est niveau 33, son fleurisson, on va faire surf. Surf qui est une très bonne attaque au passage. Oh, c'est super efficace, parfait, parfait, parfait. Au revoir, fleurisson. Fleurisson qui est un très bel atout d'ailleurs au passage sur ce jeu rouge et rouge feu et vert feuille. Mais alors oui, comme je vous le disais, il y a un truc à faire ici, mais je me souviens plus du tout de ce que c'est au niveau de comment ça s'appelle. Tac, hop, je vais le rapprocher quand même un peu. Au niveau du... je sais plus comment il s'appelle, mais le chef de la reine, quoi. Je sais qu'il y a un truc à faire, mais quoi, je me rappelle plus du tout. Mais alors, j'avais utilisé un repousse, par contre. Est-ce que mon repousse n'est plus en... hop. Ouais, parce qu'on a bientôt fini les arènes, en fait. Allez. Bon, c'est pas par là, du coup. Hop. Alors, est-ce que ça serait pas... ben non, c'est pas par là, donc ça doit être par ici. Je me souviens plus comment... le pire, c'est qu'en plus, il faut lire les livres, il me semble. Et que moi, pour lire les livres, ben, je peux pas. Voilà. En gros, maintenant, il faut juste que je retrouve les... comment ça s'appelle? Les interrupteurs pour y accéder, mais je me souviens pas que Auguste... voilà, c'est Auguste qui s'appelle, il me semble. Ah oui. C'est bon. Mais pourquoi à chaque fois je reviens là-dessus, moi? Voilà, super repousse 2 utilisé. Ah, ici, regardez. Tac. Donc là, logiquement, je peux aller là-haut. Non, c'est pas ça. C'est... je peux aller où, alors? Là. Voilà. Je crois que c'est ça, hein, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas ça du tout. Ah si, si, regardez. Non, c'est pas ça. Zut. C'est bien d'avoir de l'espoir quand même. Ouais, parce que là, on peut pas y aller. Tac. Si je tombe là... ah, voilà. C'est ça. Ah ouais, laser glace quand même. Au revoir. Ah, regardez, là, il y a une sortie. Mais ça, je crois que c'est la sortie par laquelle on rentre. Mais je suis pas sûr. Hop, on va descendre les escaliers ici même. Ah oui, c'est bon. J'ai bien retrouvé le chemin. Tac. Hop. Allez, on va y arriver. C'est vraiment un jeu énigmatique. Ok, un retour de, le retour des lecteurs qui se fait one-shot par Karatroc. Ah. Alors, lui, on sait exactement les attaques qu'il peut avoir, puisque on a le même Pokémon, un peu. Conversion, d'accord. Qui fait que tu ne crains plus trop. Donc moi, je vais faire une conversion. Bon, d'accord, très bien, je ne peux pas faire de conversion. C'est dommage. Carnareke, voilà. Il fait un Crocolarme, très bien. On va faire conversion 2. Voilà. Donc là, je prends le type ténèbre. Ma défense P qui baisse, c'est pas un problème. Brume qui prend fin, parfait. Dracosouffle. Et voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. Alors, je vais juste mettre Patrak un peu en retrait, par contre, parce qu'il monte hyper vite au niveau de ses... enfin, avec ses niveaux. Ah, bah en fait, vous êtes tous les deux au même niveau. On va monter Ideos. Ouais. Bon, que j'ai pas... ah oui, j'ai renommé, j'ai décidé de prendre du coup, comme je vous ai dit. J'avais décidé de prendre. Logiquement, là, ça m'enferme, non? Non, bon, parfait. J'avais décidé de prendre Ptera. Et je l'ai renommé Bong, du coup. Parce que Bong, c'est marrant. Ok, donc là, on a pris un objet, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool. Ok, c'est bon. Tac, 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 ok. Oh, un Bulbizarre, putain. Désolé, Bulbizarre.
Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être fermé ici, ouais, voilà. Oh, Noctalie, salut. Hop. Alors c'est pas dans le manoir. Il faut aller... Oh, Scarino. Scarino, c'est pas dégueu, hein. Eh ben, écoutez, je sais plus du tout... Je sais plus du tout où je dois aller. Je sais plus du tout où je dois aller. C'est problématique, un peu. Où est-ce qu'on trouve Auguste? Attendez. Pourquoi se fermer ici? Je m'embrouille tellement. Tentacruel au KLM. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai réouvert pour passer au-dessus. Parce que maintenant, il faut que j'aille au-dessus. Je sais plus du tout où il est, Auguste. Je sais plus du tout où est Auguste. Quoi? C'est bon, c'est ouvert? Ok. Allez, oh, bon, c'est parti alors. Ah, j'ai oublié de soigner mes Pokémon. Bon, c'est pas grave. Surf. Encore un autre? Regice. Haha, c'est super efficace. Dans ta gueule. Allez, Ideos. Niveau 42, Ideos. Bien, Ideos. C'est un cambrioleur, marrant. Ok, bon, alors je reviens. Je vais juste soigner mes Pokémon, justement. Ça peut toujours me servir. Hein, d'avoir des attaques... full charge. J'ai pas compris, tout à l'heure, on pouvait pas y aller. J'ai dû faire un truc dans le manoir, mais... Impossible de me souvenir de qu'est-ce que j'ai pu faire. Surf. Fury, d'accord, tu rates ton attaque. Bah bravo, monsieur. Allez, hop, on va faire Octazooka. J'ai hâte de voir justement un peu les Pokémon de Auguste. Non, c'est Auguste, il me semble. Oh, Kalinos. Ça a l'air d'être des Pokémon totalement normaux. Intimidation, d'accord. Qui me paralyse, forcément, oui. Il est vrai que je suis paralysé. Mais au final, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Si. Allez hop. Hypocéan. Oh! Ah si, c'est Hypocéan du coup. Pas Hyporo. Chaque fois, j'ai du mal avec... Je vais me faire un double pied, là. Triple pied. Je vais me faire un triple pied ou je l'ai fait. Il vient de me faire un triple pied, je crois. Je crois pas avoir rêvé, il m'a fait bien triple pied, hein. Hop, ça s'est ouvert, parfait, sac. Hop. Alors, est-ce que j'ai guérison? Parfait. Flamme d'attente. Toi aussi, je suis obligé de te battre. Très bien, allez, battons-nous. Force poil. Pic pic. Je veux la jouer comme ça, bizarre. Ah, bon, d'accord, très bien, bizarre. Voilà, ça c'est fait. Ideos niveau 43, donc voilà, là on remonte vite un peu Ideos. Il faut quand même qu'on l'augmente un peu. Moi je veux bien me faire la ligue juste avec Ideos, Tepo et Patrak. Ça pourrait être marrant. Après je pense que peut-être... peut-être Ptera il pourrait y arriver en vrai. Ah, il a pris le type O. J'ai pas d'attaque qui counter le type O. Non, par contre, j'ai ça. Je prends le type normal, très bien. Hop, Pokémon. Pouette, à toi de jouer. Tu me tues pas. Quand même, hein, tu fais pas mal de dégâts. Macpunk. T'as pris le type, oh, le type normal, mon petit pote. Donc, c'est normal que je te mette un petit Macpunk. Voilà. Et Cop Alex est décédé. Ciao, bye bye. Allez, au suivant. Eh ben, y'en a bien. Surf. Oh, Zigzaton. Zigzaton. J'aime beaucoup son évolution, Linéon. Tarinor. Oh, Tarinor. Tarinor, très bien. Du coup, je trouve que le let's play, finalement, sur Random Rouge Feu, il se sera fait assez vite, parce que là, il nous reste
une arène puis la ligue à faire. Je me souviens pas si les légendaires ils étaient obligatoires à faire. Enfin, les oiseaux légendaires, parce qu'à la limite, je sais pas si je les ferai. What? Pardon? Ils viennent me lâcher. Oh, VG attaque! D'accord, il me fait un ligotage. Moi je t'endors par contre. Oui. Par contre, voilà quoi. J'attaque. Oh, pourquoi j'ai fait bâillement, je sais pas. Voilà, là tu dors maintenant. You sleep and you will die, man. Regarde-moi ça. Hydroblast. Et c'est là. Déchéance. J'allais dire la déchéance, mais non. Bon, tu dors, dors. Dors. Fais dodo, cola, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. C'est quand même comique, hein, un Roboum qui dort. Alors qu'il fait du bordel tout le temps. Alors, on voyait Pong. Alors, on va faire abri. Gros yeux. Waouh. Waouh. Danse fleur. Punaise. Eh, ça se voit que le Ptera, il est puissant. Il est attaque spé, hein. Ouh, les dégâts. Oh, insane. Insane. Oui, Copalex, décédé. Allez, et nous voici contre Auguste. Combat. Ah, cette musique. Comment il s'appelle? Biker Veronica. Ok. Rafale feu. See ya. One shot. Et bientôt le niveau 49. Pyroli. Oui, je change. Ah, t'as quand même un Pokémon de type feu. Très bien. On va mettre Tepo. Enfin, de type feu. À connotation feu. De type. Je sais pas du tout par contre. De type. Si j'avais fait évoluer, je l'aurais su au moins une fois. Résiste. C'est bien. Je suis un bon. Ah, nice. Il est poison. Les petits poisons. Cul but, ok. N'empêche qu'il c'est fort quand même. Il est tombé sur un Pyroli en random avec canicule. Moi je dis GG. Alors lui je te dis hein, par contre si t'arrives pas à le buter c'est normal t'es pour. Il te fait un... Mais ce mec il a le cul bordé de nouilles, c'est pas possible. Il vient de tomber, le grand, le fier, le grand Tepo. Ça, dis-moi que j'ai un rappel, dis-moi que j'ai un rappel, dis-moi que j'ai un rappel. Non? Même pas une fois? Même pas un? Très bien, rafale feu. Voilà si l'attaque que tu m'as lancée tout à l'heure. Enfoiré. Tu as tué Tepo. Comment as-tu osé mettre KO Tepo? Ramboum. Toi aussi t'as un Ramboum. Eh ben dis donc. Je vais te rouler dessus. Je vais doublement te rouler dessus. T'es niveau 47 quand même le Ramboum. Hein. Et voilà. L'arène est terminée. Allez, à plus. Comment te dire que... Tu as été vaincu à la puissance ultime. Hop. Et là, Anarchy va être fier de moi. Voici l'ultime attaque de type feu. Déflagration. Ah, Léo. Oh non, qu'est-ce qu'il va me faire faire?
Léo me kidnappe. Qui s'en fout sur l'île 1? Impressionnant, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce qu'il m'a donné, mais il m'a donné un truc. Il m'a donné un autre truc. Ah, un passe-ferry. Donc le Maine me mène ici au calme, dans les îles 1. Donc bon, voilà. J'ai envie de te dire, pour le moment, c'est pas trop mon job actuellement. Voilà. Nous allons nous envoyer directement pas vers. Je me rappelle plus pourquoi on va aux îles déjà. Faut que je regarde après l'épisode. Je me souviens plus, c'est tellement vieux. Je sais qu'il y a les îles 1, 2, 3, l'île 4 et tout. Faut que je reprenne le bateau, forcément. Parce qu'il me kidnappe, mais il me ramène pas là où je veux. Quoi? C'est une blague? C'est une blague. Putain, non, c'est pas une blague. Oh, le salaud. Bon, et eh bien écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, moi, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. Peace.